more? Well, first I'm gonna buy her some nice flowers. You know, my mom always appreciates that, and I know it makes her happy. She puts it in her house. You know, says that her son bought her flowers. So that's what I'm gonna do. Then I'm gonna take her out for a nice brunch somewhere. Not sure where yet, but you know, a little brunch action. And I'll finish it off with a little gift. Not sure what, maybe a spa package or nails, something like that. You know, she likes that stuff, so I'll make her happy. She gave birth to me, so I gotta make her happy. Yeah, but it's not Mother's Day in Argentina. No, okay, well, is there a Mother's Day in Argentina? No. There's no Mother's Day? Yeah, there is Mother's Day, but it's like in October or something. Okay, so easy. My wife has two Mother's Days. Okay, that's good. Okay, my so mom just got one, but... Okay. I'm taking her for lunch or brunch, I don't know. But you know it's tomorrow. Yeah, I know it's tomorrow, yeah. And then I have to buy her a present, I guess. Yeah. Well, right now it's just calling her, you know, and show him his grandson, and just there's nothing more that I can do, you know. We're like very far away, so just call her and be there, you know. Comment je célèbre la fête des mères, je veux savoir. Mais je pense que je vais envoyer des fleurs à ma mère, simplement. Parce que, étant loin, j'ai pas d'autres, pas trop d'autres possibilités. Voilà, un petit tour sur Skype pour qu'on puisse se voir. Et voilà, c'est ça. Je vais envoyer des fleurs, tout simplement. Mais c'est, depuis l'âge de 15 ans, j'habite plus chez mes parents, donc c'est devenu une habitude d'être loin de la famille lors de la fête des mères. Donc c'est voilà, j'ai mes petites habitudes par rapport à ça, et comme je le dis, je fais un peu tout le temps la même chose. Faudrait peut-être essayer d'innover aussi, mais on va voir, à moins que j'ai une idée qui me vienne au dernier moment. Mais sinon ça va être un peu comme tous les ans, mais voilà, c'est ça, je sais que c'est demain, c'est le plus important. Comment on fait la fête des mères? Mais maintenant on fait tout, on est devenu européen. Je veux appeler ma mère, oui, je veux envoyer un petit peu d'argent, ça va faire du bien pour elle. Pour acheter ce qu'il veut. Ouais, j'ai pensé de ça. J'ai ma belle-mère aussi ici. Je vais acheter un cadeau pour elle. Oh, pour moi, le bon cadeau pour ma mère, c'est un appel de téléphone. Et entendre ma voix, c'est un bon cadeau pour elle. Alors, justement, la fête des mères, je pense que c'est très important pour tout le monde. On en a seulement une. Et puis, nous, ce qu'on fait, on fait un brunch, un gros déjeuner à la maison avec le reste de la famille. Des fleurs, on achète des fleurs pour ma mère, on écrit un petit mot. Puis je pense que c'est important de mentionner qu'on l'aime et qu'on est avec elle. Ouais, je pense que ma mère, tu vois, depuis que je joue avec l'Impact, c'est la seule qui est toujours présente. Qui pleut, qui neige, qui fasse beau ou froid, elle est toujours là. Fait que je pense que c'est quand même c'est important pour moi qu'elle soit là aussi. Alors une journée comme ça, on ne peut pas la manquer.